Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo assez spéciale puisqu'en fait à la fin vous allez pouvoir gagner le produit que je vais vous présenter tout de suite. Ça fait longtemps que j'avais envie de revenir avec des concours sur ma chaîne, tout simplement parce que ça fait presque 4 ans maintenant que cette chaîne existe et que c'est grâce à vous. Donc vraiment je voulais remercier tout le monde et je pense qu'un des meilleurs moyens de remercier les plus fidèles d'entre vous, c'est d'organiser un petit concours. Alors aujourd'hui ce que vous allez pouvoir gagner en fait c'est ceci, c'est la Duty Box du mois de mars 2014. Pour celles qui ne savent pas, Duty Box c'est une box belge, c'est la toute première box beauté qui a vu le jour en Belgique. Je vais poser la box parce qu'en fait je suis en train d'avoir une crampe. Je vous ai déjà parlé de cette box-ci quand elle est sortie en fait. Je vous mettrai évidemment le lien de la vidéo que j'avais faite déjà en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors plus d'un an après, qu'est-ce que je pense de cette box? Je suis restée abonnée en fait à Duty Box pendant un an exactement. Je pense que un an c'est très long et que je peux aujourd'hui donner mon avis général sur la box. Pour moi c'est une box qui a démarré vraiment très fort, déjà parce que c'était la première box belge, donc forcément il y a eu un certain engouement pour cette nouvelle chose. Je savais pas trop ce que c'était, on voyait beaucoup de box françaises auxquelles on n'avait pas accès malheureusement. Et donc forcément ça a été un peu l'engouement quand on a enfin eu une box qui était livrée en Belgique. Alors les 3 premiers mois j'étais vraiment vraiment ravie de la box. C'était sympa de pouvoir tester autant des soins que du make-up. Et les marques étaient très intéressantes, c'était des marques vraiment très attractives. J'étais assez contente. Le seul souci c'est qu'au fur et à mesure du temps j'étais de plus en plus déçue. Bien sûr il y avait des moments où ça remontait et c'est aussi un peu le jeu des box, j'ai envie de dire. Vous pouvez pas être satisfaite de toutes les box en fait. C'est un peu la loterie quoi, ça dépend vraiment de vos attentes etc. Personnellement moi elle ne me correspondait plus parce que chaque mois, à chaque fois je me disais mais il y a trop de produits soins et tout simplement les thèmes, les produits ne me correspondaient plus. Moi ce qui m'intéressait vraiment c'était le maquillage et donc voilà je me suis désabonnée mais j'ai quand même testé la box pendant un an. Jusqu'à ce que justement il y a eu la pub pour la box de ce mois-ci du mois de mars. J'ai vraiment vraiment hésité à me réabonner. En fait je l'ai reçu par surprise dans ma boîte aux lettres. Je ne m'y attendais pas, il n'y a pas eu d'accord de partenariat, de vidéo promise contre une boîte beauté, contre un concours etc. Il n'y a pas de mensonge sur ma chaîne donc voilà je vous dis tout. C'était un thème qui m'intéressait puisque j'adore les produits parapharmaceutiques. Donc la box en fait je l'ai reçue comme ceci, enfin il y avait un carton évidemment et puis donc la boîte qui est comme ceci avec un petit bandeau aux couleurs de la chaîne de magasin You. Et par rapport à vraiment aux derniers box que moi j'ai pu recevoir et qui m'ont vraiment déçue, il n'y a pas photo, il y a vraiment une amélioration et donc ça me plaît beaucoup de bah, justement de comparer ça. Après est-ce que c'est de nouveau une amélioration sur le long terme ou sur le coût court terme, ça je ne sais pas. J'espère vraiment qu'ils vont continuer sur ce genre de surprise là, sur cette lignée là qui est vraiment très positive. Au niveau du design de la box, elle a toujours pas changé, hein. C'est toujours noir et blanc avec le logo de la marque. Assez classique mais assez classe aussi à la fois. Première chose, le Duty Magazine, je pense que ça n'existait pas avant, en tout cas les dernières box que j'ai reçu en tant qu'abonné, franchement je crois qu'il y avait juste un menu. Ça je trouve ça plutôt sympa parce que ça donne vraiment plus envie de lire les produits qui sont dans la boîte que un menu honnêtement que je ne lisais pas vraiment à part pour comparer les prix indicatifs en fait, c'est tout. Alors ils présentent en fait tous les produits des différentes versions parce qu'apparemment il y a plusieurs versions de la boîte donc je sais pas trop. Moi j'ai reçu celle que je vais vous présenter tout de suite, toujours une présentation assez classique, le petit ruban blanc. Le papier de poids noir. Enfin, voilà ce que j'ai à peu près vu quand j'ai ouvert la box. Et quand j'ai vu la box, je me suis dit, là je crois que ça va pas me plaire du tout en fait. Parce que j'ai vu que des échantillons. Alors en fait, je me suis renseignée, ce sont des extras. Donc en fait, si j'enlève tous ces échantillons, voilà les produits qui se cachaient en dessous. Vous avez les échantillons de la marque Gamme, je sais pas comment ça se prononce, désolée. Ce sont que des produits pour le corps, donc là c'est une boue d'algue. Un traitement sculptant, remodelant pour le corps. Un traitement pour le corps, je sais pas pourquoi par contre. Ah, c'est également pour remodeler, enfin voilà. Apparemment c'est un peu ce genre de produit que fait la marque apparemment, donc voilà. Ensuite il y a deux échantillons d'une marque en fait que je regrette de pas pouvoir tester en miniature parce que c'est une marque belge. Donc en fait c'est la marque GYB, alors je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Mais bon voilà, alors c'est une marque belge qui fait des produits 100% naturels en fait et il y a un certain pourcentage de produits qui est entièrement bio en plus donc je trouve que c'est vraiment sympa, que ça change un peu de ces grandes marques qu'on peut voir et que ce soit une initiative belge, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc ça c'est une marque certainement que je vais tester, que je vais avoir envie de tester. Alors j'ai reçu un lait pour le corps et une crème pour le visage à tester. Alors un autre échantillon c'est le Eucérine, je sais vraiment pas prononcer le nom des marques, je suis désolée. Donc c'est la gamme Aquaphor et c'est une crème génératrice
pour les peaux extrêmement sèches. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors un autre échantillon qu'on reçoit dans la box, c'est la crème fraîche de beauté de chez Nuxe. Ensuite j'ai reçu un tout petit produit, du coup je sais pas vous dire si c'est en fait un échantillon ou une miniature, tout simplement parce qu'en fait c'est une crème pour les yeux et que c'est le genre de produit qu'on a généralement en toute petite quantité parce que ça coûte assez cher. En plus c'est la marque Filorga qui fait ça et c'est le Optimize. Que j'ai testé une fois pour l'instant, en tout cas elles sont très bonnes. Après je sais pas vous dire vraiment ce qu'il en est, mais elle m'a pas piqué les yeux, ce qui est un point très positif parce que j'ai les yeux très très sensibles en fait, qui ont tendance à devenir très vite rouges, etc. Et enfin je passe aux 4 produits miniatures dont je suis sûre. Le premier c'est un masque pour les cheveux Kartam, de la gamme Kartam de chez René Furterer. C'est une marque qui est plutôt sympa je trouve pour les personnes qui ont des vrais problèmes avec leurs cheveux, avec leur cuir chevelu. J'avais testé leur gamme Astera qui m'a vraiment plu. Ensuite j'ai reçu l'huile sèche vernis de chez Mavala. Donc c'est un accélérateur de séchage de vernis comme son nom l'indique en fait. Je ne l'ai pas encore testé mais ça je trouve que c'est plutôt sympa honnêtement. Voilà, c'est un format qui est quand même plutôt sympa, c'est la moitié d'un full size il me semble. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir tester ce petit produit. Ensuite, le produit pour moi qui est le produit de déception en fait de la box. Pour être honnête, je sais même pas si je vais l'utiliser parce que c'est pas tout simplement un produit qui est adapté pour moi. J'ai reçu le full size du mascara T. Leclerc qui est un mascara allongeant. Alors le premier souci c'est que c'est un mascara qui n'est pas waterproof. Mais je suis bien consciente que la plupart des gens ne mettent pas de mascara waterproof. Donc bon, voilà, c'est juste que ça ne me convient pas personnellement. Mais alors là où c'est problématique je trouve c'est que la couleur que j'ai reçue c'est 04 violine. Après je sais pas pour les autres mais moi j'ai reçu cette couleur là. Et c'est pas le genre de couleur de mascara je veux dire qui est très portable. Alors je vais pas l'ouvrir parce que je vais pas l'utiliser hein, mais voilà pour que vous ayez une idée du packaging. Donc c'est un packaging un peu en aluminium. Je trouve que c'est plutôt classe en fait. Mais malheureusement je suis désolée mais je suis pas vraiment pas emballée par ce produit-ci en tout cas. Alors j'ai également reçu le Cheat Magic de chez Garancia. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un micro peeling en fait sans grain. Voilà, c'est un produit que j'avais déjà testé, donc voilà, c'est un produit que j'ai trouvé bien mais sans plus. En fait pendant les 30 premiers jours j'étais ravie parce que je voyais vraiment une action directe sur ma peau et je sais pas, je me suis lassée du produit, je sais pas expliquer pourquoi, c'est pas un mauvais produit mais voilà, je suis pas emballée non plus d'avoir reçu ce produit là. Mais pour les personnes qui l'ont pas testé, franchement la miniature, la contenance et tout, elle est parfaite pour pouvoir tester ce produit. Peut-être que c'est un produit que vous allez adorer. Alors hormis le mascara qui honnêtement ne m'emballe pas du tout, les autres produits je trouve que c'est des produits vraiment bien choisis, que les miniatures sont plutôt sympas, que les échantillons en extra font plaisir et que les marques sont attractives. Si vous avez envie de tester et d'acheter la box, il vous reste très très peu de temps parce que je crois que c'est jusqu'au 30 mars limite quoi, donc dépêchez-vous si vous avez envie de l'acheter. Elle coûte 16,95€, sachant que vous avez au moins 50€ de produits de valeur de produits à l'intérieur, donc elle est largement rentabilisée de toute façon. Et pour les autres, je vous en fais gagner une. Alors les conditions en fait elles vont être très simples, je les rappellerai en barre d'infos. Le concours est ouvert à la Belgique, au Luxembourg et à la France. J'ai voulu vraiment donner la possibilité aux Françaises, pourquoi pas avoir la chance de tester une boîte belge. Et une des conditions évidentes, évidemment, c'est d'être abonné à ma chaîne parce que voilà, c'est normal que je remercie les personnes qui sont fidèles et qui regardent mes vidéos, donc au moins être abonné à ma chaîne. Évidemment, ça me fait toujours plaisir si vous me suivez en plus sur Instagram, Twitter et Facebook, mais c'est pas une obligation, bien entendu. C'est un concours express parce qu'en fait, je vais le laisser jusqu'au... aujourd'hui, on est le jeudi 27 mars, je pense que je vais le laisser jusqu'au samedi 29 mars, 23h59, dernière participation. Alors pour participer, ça va être très simple, vous m'envoyez un commentaire en dessous de cette vidéo et nulle part ailleurs s'il vous plaît, parce que sinon ce sera pas pris en compte, le produit que j'ai présenté donc de la box qui vous intéresse le plus, même si c'est un échantillon. Voilà, le produit qui vous attire le plus en tout cas. Et maximum une participation par personne sur la durée du concours parce que c'est un concours très très rapide. Donc voilà, une participation, comme ça tout le monde a la même chance. J'annoncerai la gagnante en barre d'infos dans cette vidéo-ci. Il n'y aura pas de vidéo d'annonce en tout cas et je contacterai la gagnante en fait par message privé YouTube. Donc regardez votre boîte de réception d'ici dimanche du coup. Et pour les mineurs ça me pose pas de problème mais il faut que vos parents soient d'accord parce que si vous gagnez vous allez devoir me donner votre adresse et vous allez recevoir un colis chez vous. Donc je me suis un peu dépêchée parce que j'ai plus de batterie. En tout cas n'hésitez pas à participer parce que voilà, je trouve que c'est très très sympa de la part de Duty de proposer cette box et j'espère que cette initiative vous plaira. Je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là ben, je vous souhaite bonne chance pour le concours.